Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Moi j'ai oublié mes lunettes de soleil de Starlet, vous vous rappelez l'année passée. Oui, en fait je suis dans le centre de Bruxelles, j'ai dû venir dans le centre parce qu'il y a un contrôle des gaz d'électricité de mon bureau, donc je devais être sur place. Ce n'était pas facile parce qu'apparemment il y avait la grève des transports en commun. Je n'ai même pas vérifié, mais donc j'ai dû venir en voiture. Mais il y a un rayon de soleil, donc c'est merveilleux. J'espère que vous aussi, vous absorbez cette énergie du printemps qui est là. Alors ce week-end, qu'est-ce que nous allons faire? Ben, nous allons faire tout ce que nous faisons d'habitude. Évidemment, la série, on continue toutes nos lectures, mais on va reprendre donc l'orthographe, la dictée avec Max. Ça, on va reprendre. Je dois aussi faire une vidéo pour Yasser qui demande toutes les combinaisons, vorat, achterat, voram, achteran, etc. Je dois aussi parler du TFE. Il y a beaucoup de gens qui m'ont posé des questions et à mon avis, c'est parce qu'en fait, les jeunes francophones sont en congé et donc il y en a qui sont en dernière année et qui doivent écrire un TFE. TFE, donc travail de fin d'études, et il y a des gens qui paniquent un tout petit peu. Donc je vais faire une vidéo là-dessus. Quoi d'autre? Oui, je pense que je dois faire une répétition de grammaire, mais des toutes petites modules d'une minute. J'espère que j'aurai le temps de commencer ça ce week-end parce qu'on doit absolument revoir tout ce qui est grammaire. On doit tout le temps revoir les bases. Quoi d'autre? En fait, je ne sais pas. C'est le soleil qui m'intéresse pour l'instant. Mais vous verrez bien, évidemment, demain matin, nous lirons l'alchimiste. Eventjes in het Nederlands ook. Ja, dus, ik ben hier in het centrum van Brussel. Dit is eigenlijk een stadstuintje dat niet ver is van mijn bureau. Ik ben naar het centrum moeten komen. Er was een controle van gas en elektriciteit van mijn bureau. Dus daarom ben ik in het centrum. En ben ik niet meer in Schumann. Ik ben daar al afgewerkt. Ik geniet even van de zon. Nu, vanavond ga ik niet naar Simon. Simon had een vrije dag. Misschien heeft dat te maken met de staking. Want er is een staking van het openbaar vervoer. Blijkbaar, dat was toch aangekondigd. Daarom ben ik dus met mijn auto hier naar het centrum gekomen. Ja, jullie zien, ik heb niet mijn super zonnebril. Mijn grote uilenbril die ik normaal opzet in de zomer. Ik zal proberen die terug te vinden. Heerlijk, heerlijk dat zonnetje in het centrum. Ik geniet er even van. Ik neem dadelijk een klein koffietje en ik ga nog een beetje lezen hier in het zonnetje. Dus ja, deze week, wat gaan we doen dit weekend? Ik heb geen speciale vragen over wiskunde of over iets anders. Ik zie dat jullie blijven lezen. Dat Franse boek Derrière la haine blijft populair. Heel fijn dat jullie erbij blijven. En dus vergeet niet, je mag altijd vragen om een boek te lezen, om informatie te hebben over iets. Aarzel niet, ik ben daar voor jullie en dit is allemaal gratis. Ja, ik ga nu dit weekend, dat ga ik inderdaad doen. Ik ga beginnen met ook subsidies te vragen aan de Vlaamse overheid voor projecten voor Nederlandstaligen via mijn YouTube-kanaal. Hopelijk wordt dat iets. Ja, jongens, mijn hoofd is er niet helemaal bij. Dat is omdat er zon is en ik ga nog even genieten. Zien jullie die hele mooie muurtekening hier in dit stadstuintje? Ik hoop dat jullie ook genieten van de zon. En ik hoop jullie te zien dit weekend of tenminste volgende week. Dag!